La FIC vous présente l'important, c'est vous. Une personne sur deux dans sa vie va souffrir d'un problème de santé mentale. Mais s'il n'y en a pas de ressources, qu'est-ce qui va arriver? Je travaille dans une clinique externe spécialisée dans les premiers épisodes psychotiques. Je suis obligée d'aller faire des fins de semaine sur un autre département. Je suis là, je bouche un trou. Ça amène énormément de découragement auprès des infirmières. C'est une non-reconnaissance de leur expertise. C'est vraiment une diminution de la qualité des soins. J'en vois de l'isolement, même chez les personnes âgées. Il y a des infirmières à domicile qui vont voir des patients seuls à la maison, mais des fois, c'est la seule personne qu'ils voient dans la semaine. Quand j'arrive chez quelqu'un, c'est pas juste une jambe que je viens soigner. J'ai des yeux, je regarde partout. Puis c'est encourageant pour les patients parce que nous, on leur redonne une certaine confiance en eux. Puis des fois, oui, tenir la main, c'est ça que la personne a le besoin. La FIC vous a présenté. L'important, c'est vous. Parce que nos conditions de travail sont vos conditions de soins.